Alors là, les enfants, je vais vous faire un cadeau humoristique. C'est un personnage qu'on adore. On va vous dire la vérité. Là, au moment où on enregistre, on ne sait pas du tout qui sera président de la République. On ne sait pas si ça sera ça ou ça. On ne sait pas. On ne sait pas encore. En tout cas, nous, notre président de la République, on l'a choisi. C'est un habitué maintenant de cette émission. Il s'appelle Jean-Marc et son manipulateur s'appelle Jeff Panaclock. C'est une espèce de bestiole d'une insolence incroyable. Applaudissez monsieur Jeff Panaclock et sa bestiole Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir. Restez assis, calmez-vous. Merci Jean-Marc. Bien, bonsoir à tous. Ta gueule, je commence. Mes chers cons. Patriotes. Quoi? Mes chers compatriotes. Non, 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 mes chers cons. Attends, Jean-Marc, t'as vu la tête qu'ils ont? Mes chers cons. Jean-Marc. Tu veux que je te fasse plaisir? Oui. Qui sera mon premier ministre? Ah, bah ça c'est sympa. Oui, et un premier ministre? Oui. Ça ferme sa gueule, mes chers cons. Je serai président de tous les Français et de toutes les Françaises en 2012, oui. Et je vais faire un gouvernement à la hauteur de mes ambitions. Et pour faire plaisir à Tatoche, je vais faire rentrer Clara Morgan au gouvernement. Non, Jean-Marc, non. Si, ça te l'était dire, mon cochon. Jean-Marc, arrête. C'est pas possible. D'accord, bien. Je ferai rentrer le gouvernement dans Clara Morgan, parce qu'elle attend que ça, la coquine. Oh, je vais lui présenter Georges Tron à 50 son pied. Ouais. Dans d'autres CD. Merci, Jean-Marc. Ils applaudissent ça, quand même, hein. Allez, enchaîne. Oh, oui, on va s'enchaîner au lit avec Carla. C'est qui, Carla? Carla Bruni. Elle m'excite avec sa guitare. Et ses chansons qu'on voit rien. Voilà. Refrain. Tous avec moi. Elle est dure, la dernière note. Merci. Donc voilà, ça c'était un pseudo Carla Bruni. Oui, c'est ça. Et encore, j'articule trop. Merci. Bien. Il y a Clown qui comprend. Ouais, on va avoir des problèmes. Avec les nains? Non, les... Les associations de nains? La défense des nains? Avec Nicolas, quoi. Ah ouais, les nains, ils s'en foutent. Voilà. Ça leur tasse au-dessus. Ah, rigole du con, Jean-Marc. Oh là, frère. Il est pire que vous, les nains, lui non plus, il comprend rien. Oh là là. Bien. Ah, j'aurais dû faire un touchable avec l'handicapé que je ne traîne. Hein. Jean-Marc. J'aurais eu un César, ouais, ouais. Bon, c'est bon? Oui, et si tu fermes ta gueule, j'ai un Oscar. Vas-y, c'est des claquettes pour voir. Jean-Marc, arrête. Bon, allez, on va continuer avec un ministère très important, le ministère de l'Intérieur. Oui, c'est important, le ministère de l'Intérieur. J'ai choisi Valérie Danido. Mais non. Vas-y, elle va te refaire tout l'intérieur, la gonzesse. Hein. Et du sol au plafond, on a des couleurs à chier, on a dégueulé. Jean-Marc, faut pas être malade. Mais là. Regarde, hein, personne... Non, personne ne sera malade. Voilà. J'ai choisi un bon ministre de la Santé. Oh, mais je crains le pire. Johnny Hallyday. Oui, sûrement. Ouais. Bon. Vas-y, sa gueule maintenant, ça donne plus envie de se faire soigner. Jean-Marc, arrête. Ouais. Je l'ai vu à la télé la semaine dernière, j'ai été faire ma carte vitale. Jean-Marc, arrête. Hein? Pas de sa faute. Non, depuis qu'il s'est fait opérer de la joue par le docteur de la hanche, on comprend plus quand il chante. Hein? Ah. N'importe quoi. Ah. Bien. C'était la cataracte. On sait pas comment ils ont trouvé les yeux, hein, c'est pareil. Hein. Ils ont mis des étés. Des petits étés. C'est mignon. Bon, de toute façon, monsieur Hallyday a du travail. Oui, monsieur Hallyday a du travail. Oui. Sa femme vient de rentrer en CN2, c'est la grande école. Hein. Elle est contente, Laetitia, elle a un nouveau cartable, des nouveaux stylos. Wouhou! Et une trousse, et l'autre qui tire. Et Jojo, à 4h, il donne la Kinder Bueno. C'est mignon, mais elle est tellement con, elle cherche la surprise dedans. Alors, elle en fout partout, là, de l'ondage. Jean-Marc. Il y
Il n'y a pas de surprise dans les Kinder Bueno. Bon, on va enchaîner. Oui, on va enchaîner. Avec le ministère très important, parce que là, au point où on en est, ça va bientôt être babar, le ministère de la Défense. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est un éléphant, voilà. La Défense, tout ça, quoi. T'es un conique, toi. Hein? T'es dans l'humour, moi. C'est rigolo. Il est content. Il a cessé de la gounette sur Zadar, il est content. Ouais, c'est drôle, hein, les lacs sur les animaux. J'ai rencontré une girafe, c'était un bon coup. Snordia. On peut continuer? On peut continuer. Bien. Donc on va choisir le dernier ministère, hein, Patrick, puisque c'est une émission familiale. On va choisir le ministre de la famille. Dominique Strauss-Kahn. Non, ah si. Ah si. Il a des enfants en tartouze, le mec, hein. Il en laisse servir à du lit, l'école de chenise, et jette à parler des anidoles. Hein, tata, Jean-Marc. C'est dégueulasse, hein. Je vous laisse 5 secondes avec cette image. C'est bien dégueu. Merci. Bon, Jean-Marc, on va s'arrêter là, hein, on va s'arrêter là, puisque je te vois mal, président. En plus, je vois mal Johnny Hallyday au G20. Oui, je le vois plus au Jet Zanset. Jean-Marc, arrête. J'y connais, hein. Bien. De toute façon, que vous soyez consanguin, cutéreux ou alcoolique, je serai président de tous les Français. Et je vais naître la retraite à 69 ans. T'en as tenu trop longtemps, Patrick. Jean-Marc. 69, c'est trop vieux. Oui, mais quitte à se faire niquer, autant choisir la position. Jean-Marc Président Il est pas fort, celui-là. Il est extraordinaire, ce singe. Moi, je l'adore. Merci. Bon, Jean-Marc, il passe à la Comédie du Boulevard le dimanche à 18h. Allez le voir partout. Et puis, tu sais quoi? Si tu continues à être insolent comme ça, il y a des chances qu'on te revoie très souvent l'année prochaine dans l'émission. Merci, ça te plaît les nanas qui avaient ce soir? Oh, il y en a plein, il y en a plein. Viens faire un bisou à Adriana, pendant qu'ils enlèvent le truc et qu'ils commencent à installer le numéro suivant. Oui, d'accord. Viens faire un bisou à Adriana, parce que je serais bien de te voir à côté d'elle. Avec la langue. Non, c'est vrai. C'est vrai. Pas trop vite, je vais venir vite, hein. Jean-Marc, arrête. Caresse-moi encore. Jean-Marc. Bon, tu lui fais ce bisou? Vas-y. Ouais, toi, en première. Vas-y. Aucune. Toi, t'as envie de moi, toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu fous, toi? C'est la mienne. Bah ouais, à qui elle est? Bah c'est à moi, normalement. Bah oui, il existe pas. T'as sorti tout le matos, là, ou quoi? T'as sorti tout le matos. Bon, oui. Salut, tu pars par là-bas? Oui, je pars. Salut, toi. Salut, c'est... Ah, dis donc! Il y en a plein partout! Merci! Il est formidable, ce mec. Hein. Il est vraiment... C'est grâce à notre ami Rémi Castillo qui a un site où il trouve plein de jeunes talents comme ça. Il m'a présenté ce singe insolent et j'ai bien envie de l'inviter très, très souvent l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour qu'il soit agaçant comme ça.